Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. I'll come and watch you sing and play. We're the young generation, and we got something to say. C'est pas très clair tout ça et... Ok, on va tout reprendre depuis le début. Très bien. Écoute, il s'agit d'une série télévisée avec deux jeunes musicos. On les suivrait chacun dans leur planque commune du style... Comme dans une maison au bord de la mer. Par exemple, mais c'est avant tout une histoire qui tourne autour de leur vie. Les fans qui tombent amoureuses, les tournées qui s'enchaînent et qui n'en finissent pas. Seulement voilà, Carla, on lance la BO de la série. Comme ils ont fait pour Ally McBeal. Et c'est ça, oui. Sauf que là, attention, nos musicos sont aussi des comédiens. Comme les Backstreet Boys, NSYNC, ils feront des tournées. Ça inclurait aussi, j'imagine, des démos plus jeunes, une série télévisée, des ventes de CD et... Ouais, et crois-moi, c'est un projet commercial super exploitable. Et tu crois qu'on peut réellement trouver des musiciens qui soient à la fois acteurs, un peu marrants et qui savent aussi chanter? On est à Hollywood, tu en trouves autant que tu en veux. Je suis pas convaincue. C'est l'affaire du millénaire, tu peux pas rater ça, enfin. Es-tu sûre au moins que cette idée n'a vraiment jamais été exploitée avant? Jamais. Ça se passe dans le contexte des années 60. Je ne suis pas certain que les gens accrocheront. Le projet cible les ados à mort. Imaginez un peu, on leur propose l'histoire des Beatles américains. Avec vente d'un album en sus? Absolument, ça ne s'est jamais vu. Une série culte télévisée et le tube de l'été. Ces garçons sont présentables. Ah non, surtout pas, ce sont d'horribles voyous. Une petite seconde, la chaîne risque d'être un peu nerveuse s'il s'agit d'aduler des voyous. C'est bien ce que je souhaite, ça fait monter la mayonnaise. Tu vois, le problème, c'est que Hollywood s'est toujours cantonné à attribuer aux ados une image totalement débile et complètement infantile que nous allons pouvoir redresser et qui n'a évidemment rien à voir avec ce crétin décérébré. Ça doit changer. Je veux bien un petit café. Non, mais attends, écoute-moi pour une fois. Il faut à tout prix que tu te présentes à cette audition. C'est vrai, tu chantes pas faux, tu joues de la zik, t'es plutôt drôle, ça peut être un bon plan. Un Beatles américanisé? Et tu me vois en train de chanter Hey Jude dans une série télévisée? C'est vraiment notre histoire, celle des quatre mecs. Désolé, je suis pas un comédien. Non, mon truc, c'est la musique. Tu as quitté New York pour vivre ici et t'as jamais rien trouvé d'autre à faire que la plonge dans un resto. Alors qu'est-ce que t'as à perdre? Cet uniforme. Tu sais pas à quel point ce tablier attire les blettes. Tu vois bien que tu fais rire parfois. Quelle heure je passe te prendre? À 2 heures? Non, plutôt à 3, le temps de faire une machine à la laverie d'en face. Attends, tu n'as pas l'intention de traîner notre linge sale à ton audition? Bien sûr que si, c'est un casting télé, je vais pas me prendre la tête. Si ça t'embête tant que ça, pourquoi tu as absolument tenu à venir? Parce que je t'ai déjà dit que je voulais me placer pour écrire les chansons. Et qui plus est, si ça leur plaît, ils me fileront peut-être un peu de thune pour le séchage. Bonjour, je peux vous aider? Ouais, c'est pour l'audition. Honnêtement, j'en sais rien. Je suis déjà prêt à laisser tomber. J'étais formé à Broadway, moi. Et c'est vrai, c'est pas mon truc, le rock'n'roll. J'ai jamais touché un seul instrument. Kumbaya, my lord. Kumbaya. C'est bon, merci. Très beau, c'était très beau. Le pire dans tout ça, c'est que c'est le meilleur de tous ceux qu'on a auditionnés. C'est pas gagné. Ce qui veut dire que nous devons rapidement trouver un son qui leur est propre. Et vous aimeriez que cette personne, ce soit moi. Denis, on vous surnomme l'homme à l'oreille d'or. Vous êtes le plus grand créateur de tubes de l'année. On ne peut travailler qu'avec vous. On a besoin de vous. J'ai le contrôle total de la création. Vous travaillez avec les meilleurs compositeurs de musique actuellement. Carole King, Neil Diamond, Neil Sedaka, Boyce & Hart. Nous vous faisons confiance. C'est pour ça que vous nous intéressez. Mais c'est moi qui choisis les candidats. Les plus dingues et les plus originaux. Que ce soit clair, je me moque totalement de la personnalité de ces gamins. Seulement, si je m'en charge, on pulvérise les Beatles en moins de 6 mois. Ok, c'est une affaire qui marche. Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. C'est pas génial, hein, ce qu'ils chantent.
J'ai la trouille, j'ai la tremblotte. On dit qu'ils passent les mecs à la moulinette là-dedans. Non, je passe le plus clair de mon temps à faire des auditions, c'est devenu banal. Ah oui? C'est ma première. C'est toi, Corky? Hein? C'est ça, Corky du Circus Boy. Je t'ai toujours bien aimé. Ouais, enfin, j'étais un peu mieux à 10 ans. T'as changé. Tu étais une star, je veux dire. Tu avais ta propre série et... Tu passes une audition pour ce truc télévisé. Quoi, ça te surprend? Je travaille comme toi pour éviter de crever de faim. L'étudiant cherche une direction dans sa vie. Ah, c'est... cool. Mais arrête! Hé, sois pas nerveux. Tu corresponds vraiment au profil demandé. Oui, oui. Génial, tes boots. Ouais, je les aime bien aussi. Suivant. Oh, ça y est. Bonne chance. Merci, Corky. Des dents, t'as de quoi être fier de tes petites chaussures. Oui, elles sont chouettes. Non. Je blaguais. Assieds-toi. Oui. Ah, c'est bon, je reviens pas. Alors, les filles, dites-nous tout. Quel rapport y a-t-il entre vous, hein? Alors, voulez-vous que je vous lise quelques lignes d'un passage? Oui, bien sûr. Mais dis-moi, oui. Où est-ce que tu as acheté ces bottes ringardes? Tu as perdu un pari? Oui, je... j'aime bien mes bottes rouges... Hé, hey, mais qu'est-ce que t'as? N'y va surtout pas, Corky! Il est complètement dingue! Suivant, s'il vous plaît. Échec et mat. Tu dois connaître ce jeu depuis pas mal de temps. Et pour information, même si Monkey et Monkey se ressemblent, ils ont une signification totalement différente. Ah, j'allais oublier, je vous ai demandé de m'envoyer un vrai comédien et pas un figurant pour une pub de croquettes pour chien, incapable d'articuler son nom convenablement. Très bien, est-ce que vous pourriez me mettre un peu au parfum? Parce que comme vous pouvez le constater, j'ai une petite machine de linge sale à faire, alors combien de temps ça va durer? Une seconde. Je serais bien curieux de savoir ce que celui-ci a dans le ventre. Je veux des jeunes gens bien dans leur tête, avec une personnalité déjà bien affirmée, tu comprends? Des mecs spontanés, ayant chacun un style bien à eux, c'est simple quand même. Vous allez voir, ça c'est moi tout craché. Il est peut-être rock'n'roll, mais à mon avis pas dans le bon sens du terme. Oui, mais il est très photogénique. Ce gamin peut faire vendre des milliers de magazines pour adolescents. Regardez sa taille, il ne fera jamais de couverture de magazine sans porter de talons. Si vous voulez, je peux continuer encore. On en fera une image remaniée, fabriquée de la tête aux pieds, qui imprimera un nouveau souffle, un léger accent de révolte dans le cœur des Américains. Tiens, celui-là présente bien. Je pense que la chaîne appréciera. Non, c'est le sosie de James Dean, hors sujet. Moi, je ne sens pas trop cet oiseau-là. Il n'est pas net et il en fait trop à mon goût. C'est bien pour ça qu'il est parfait. Je ne veux pas d'un Ricky Nelson, et encore moins d'un blanc-bec qui ne fait que ce que ses parents lui demandent. Ils feront ce que moi je leur demanderai. Non, nous les choisirons. Et ensuite, ce sera à eux de jouer. Les Monkees. Félicitations, les mecs. C'est ça que vous allez être, à la fois délirant et super pro. Votre look sera tellement détonnant que vous allez faire péter l'audimat. Si tu es le docteur Frankenstein, nous on est des petits monstres, j'imagine. Non, je nous verrais plutôt en cochon d'Inde. Eh, faudrait peut-être penser à la musique. Il n'en est pas encore temps, non. Harry veut vous expliquer qu'il vaut mieux, pour l'instant, que vous appreniez à vous connaître. Il faut que les gens pensent que vous êtes fondamentalement les meilleurs amis du monde. Eh, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, d'ailleurs c'est déjà fait. Hein, Edgar? Je sais pas où il a passé son père Leclerc. C'est pas encore ça. Moi, je vous dis que si ça fonctionne, ce sera drôlement payant côté minette. Hé, hey, vous avez une petite copine? Tu veux dire une seule? Oh non, ça craint. Le pire, c'est qu'on serait prêt à lui donner le bon Dieu sans confession. En ce qui me concerne, je suis marié et on a aussi un bébé en route. Waouh! Attends, c'est vraiment génial.
cet endroit est trop débectant. Ouais. Ah ouais? Non, moi je trouve plutôt qu'il a du caractère. Non, bah Franck a du caractère. Cet endroit est un nid de cafard. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal comme ça en fait au Texas. Ouais, bah ça me donne pas vraiment envie d'y aller. Une salade, une autre salade, un sandwich avec des frites et un cheeseburger. Non, mais tu t'es vu? T'es infect. Quoi? Et vous aussi, vous mangez comme des porcs? Personne ne vous a donc jamais appris à manger proprement. J'y arriverai jamais, je suis pas batteur, moi. Non, mais t'es bien acteur. Ouais. Bon, ben, agis comme un batteur. Je sais plus. Il y a trop de concurrence pour moi ici. Alors qu'à New York, dans le village, tout le monde ne cherchait qu'à s'entraider. Non, mais arrête, c'est quand même cool. J'ai toujours été à l'aise. Je reconnais que c'était marrant. C'est bien la première fois que je me suis fait des amis. Qui croit que je vais gober Mickey, ça? Hey, Peter, on n'attend plus que vous, là. Faut y aller. T'es drôlement sympa. Je croyais que tu te faisais des amis à l'appel. Ma famille a toujours eu la bougeotte, ce qui fait de moi, où que j'aille, un petit nouveau. Eh bien, moi, je vis ici, à Los Angeles, depuis ma naissance. Ce qui fait que, du coup, je vois toujours et encore et toujours les mêmes tronches. T'as de la chance. Oh, non, du tout. Alors là, c'est le contraire. J'étais coincé parce que mes parents étaient comédiens. Mais moi, tu vois, je rêvais surtout de faire un tas de choses. Je veux dire, bouger, rencontrer un tas de personnes, hey, voyager. Hey, salut. La seule chose qui m'est vraiment beauté, c'est de faire de la musique. Ouais, je crois que j'aurais réagi comme toi à ta place. J'adore tous les instruments avant. C'est dingue. Ça doit être génial de jouer de tous ces trucs-là à la fois. T'es un peu nerveux, toi. Oh. Tu rigoles? Attends, et tu me connais pas quand j'ai la super pêche? Non, je crois que ça peut être intéressant. Je sais, oui. Oui, moi aussi, je pensais pouvoir venir vous voir, mais je peux pas laisser passer cette chance, d'accord? Ouais, ouais, ils sont vraiment super. Bon, on n'a pas grand-chose en commun, mais il y a une bonne entente. Non, tu me connais. Non, je fais jamais les choses à moitié. Hé, hey, Davy, qu'est-ce que tu fais? Écoute, il faut que j'y aille. Embrasse tout le monde pour moi, d'accord? Ouais, promis. Ciao. Salut. Salut. Davy, tu connais ce gars-là? Je l'ai jamais vu de ma vie. Et il a pas acheté son costard en solde. Très bien. Bon, est-ce que vous êtes prêts à nous jouer un petit morceau? Presque, une seconde. Vous en faites pas pour ça, vous ne faites que chanter. Attendez, vous avez bien dit que nous pouvions jouer chacun d'un instrument. C'est vrai, mais on a réalisé que ça nous prendrait beaucoup trop de temps, alors finalement, vous ne faites que les voix. Et ils nous ont bien dit qu'on allait pouvoir jouer notre propre musique. Mais oui, Mike, on fera. On se rôde pour le moment. Allez, on y va les enfants, on se refait une petite prise. Soyez un peu plus... Hé, hey, les gars. Les garçons.
Tu triches, t'avais dit le poulet. Bref, toujours. Hey, vous pouvez me dire exactement ce qu'il faut faire pour que vous chantiez une chanson? Je sais pas, moi, changer la zic. Les paroles. Surtout, éloignez Peter du micro. Et... arrête, t'arrives même pas à l'atteindre sans monter sur une chaise. Ouais, j'ai trouvé. On va chanter en marchant sur la tête. Bon, ça suffit maintenant. Je demande un peu de sérieux, compris? Soyez gentil, sans quoi on n'y arrivera jamais. Hey, Van, et c'est qui, cet arrêt? Tu sais de quoi t'as besoin, vieux? De quoi? De garder ton sang-froid. Bon, les gars, ce monsieur va s'occuper de votre groupe. C'est Don Kirchner. Oui, j'aurais préféré qu'on nous présente 10 secondes plus tôt. Alors, ça roule, Donny? Bienvenue chez les babouins. Ça va, je plaisante. C'est vrai, quoi. Je rigole. Aha! C'est Russell en décamp. Vite. Vous ne seriez pas par hasard les Monkeys, n'est-ce pas, mes petits amis? Devrait être terminé à l'heure qu'il est. De toute façon, c'est une mauvaise nouvelle, c'est clair. Je les flaire à des kilomètres à la ronde. On peut pas dire que tu sois très positif dans le genre. On t'a jamais dit que le négatif entraînait toujours le négatif? Oh, ça va, Peter, c'est un peu trop cosmique pour moi. Qu'est-ce que tu fais, Mickey? Un jeu de patience? Tu devrais suivre mon exemple, ça te calmerait. Ça va, les gars? Et dis donc, Harry, t'as l'air légèrement crispé, on dirait. J'ai pas très envie de te demander pourquoi. Les résultats du test du pilote sont les plus bas de toute l'histoire de la NBC. Les plus bas? Ils sont incultes, c'est tout. On est plus en avance sur notre temps qu'on ne le croyait. J'ai planché sur le projet. On aura encore une chance jeudi. Evan, si on est les plus mauvais de tous, on peut encore s'améliorer. Quoi? Bon sang, j'arrive pas à le croire. Moi non plus. Mais nous devons trouver une solution. Quand j'y pense, les plus mauvais résultats de toute l'histoire de la NBC. Les plus mauvais. Je piche pas pourquoi ils ont décrié nos jeunes. Parce qu'ils ont été déstabilisés. Ça devrait être positif, non? Mais ils n'ont jamais vu ça. Ils sont tous conditionnés par la peur de la différence. Toujours cette hantise du politiquement correct. Ça y est. Ça y est, t'es trop fort, toi! À ce point-là? Ouais. Et vous êtes un garçon sans histoire. Oh, bien sûr, j'ai les cheveux longs, mais en fait, ça m'a été imposé pour le rôle, autrement je suis sans histoire. Mais vous portez des bagues. Quoi? Des bagues. Des bagues? C'est une question? Non, je plaisantais. Dites-moi, vous jouez plutôt de la country ou bien du rock? Oh, vous savez, ça dépend de l'humeur. Mike, venez par ici, voulez-vous? Mike, pourriez-vous, là, tout de suite, incarner un autre rôle que le vôtre? Comme par exemple celui d'une personne forte et silencieuse? Ouais, très bien. Soyez fort et silencieux. Comme une femme. Allez, Mike, c'est la même chose. Eh bien, désolé, mais c'est votre façon à vous de voir les choses. C'est pas la mienne. Avez-vous déjà été une femme silencieuse et forte auparavant? Si vous reposez à nouveau la question... Non, c'est vrai. J'ai toujours rêvé d'être pilote d'essai quand j'étais petit. Ouais, ben moi, après ça, je me repose. Tu retournes en Angleterre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Mon père veut que je devienne jockey. Question de taille, mon vieux, t'es dans le coup. Eh bien, sache que ma taille est suffisamment grande pour les courses de haies. Les chevaux sont plus petits en Angleterre. D'accord, merci beaucoup. C'est du sérieux? On a réussi. On a gagné! C'est vrai? Ils ont accepté. Tu parles à l'unanimité! Et de quelle façon? J'ai simplement inséré 2 ou 3 bouts d'essai du casting que vous avez passé, afin qu'ils vous connaissent un peu mieux. Ça y est, on a le coup de feu. Bien plus que ça! La NBC nous accorde 36 épisodes. On a la série! Ah, c'est génial!
Ouais. Ouais. C'est l'idée du siècle. Et demain, vous allez voir, on n'entendra plus parler que des monkeys. Ouais. Ouais. Super. Ouais. C'est de la démence. J'ai même réussi à faire baptiser la ville du nom de Clarksville pour la journée. Et comment, puisque la série n'est pas encore diffusée? Ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler les ficelles de mon métier. Un hit, ça prend pas par hasard, ça se fabrique. Je reconnais que vous vous êtes surpassé, Donny. Attendez de voir la suite. C'est trop fort, ils savent même pas qui on est. J'ai une de ces envies de vomir. Ouais, ben tu fais ici et pas sur scène, d'accord? Mais y a qu'une chanson, ça va, c'est pas la mer à boire. Oh, ce n'est pas très différent de Broadway. Oui, sauf que tu vois ici, les filles sont plutôt du genre à t'arracher les vêtements. Ça y est, lui, c'est gros déjà. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, là? Rester ici, prendre racine? On n'a pas trop le choix, en attendant le propriétaire. On peut ouvrir ce truc-là, non? Non, Van, il en est hors de question. Nous avons une image de marque à maintenir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que Van est légèrement frustré sur les bords. On pourrait lui filer un coup de main. Pourtant, les studios ont dû prévenir que nous allions venir faire de l'art, ici. Et absolument personne, ni aucune barrière n'entraveront les voies de l'art. Alors voilà, je vous propose un plan, les mecs. Écoutez bien, parce que je ne compte pas le répéter deux fois. Essaie de comprendre mon point de vue. Je connais ton point de vue. Gros bifton, bonne audience. Tu oublies ma responsabilité. Qu'est-ce que je fais si des parents décident de s'en prendre à la chaîne suite au comportement anarchique de leurs enfants? Pas pour une série télévisée, enfin. C'est bien le proprio qui nous fait poireauter depuis une heure. Surtout, ne t'inquiète pas, on contrôle la situation. Le seul truc, c'est qu'il a pris la route là-bas en direction de Cornwall, je crois. Ah oui? Ouais. Très bien, vous restez là. Moi, je vais le chercher et on revient d'ici très peu de temps. Non, je le sens pas, ce rendez-vous. Je sais pas vraiment où ils veulent en venir. Van, quoi? Je te conseille de bouger. Et ben voilà, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début. T'es pas d'accord? Allez, on s'affole, les gars, on a beaucoup de boulot. Grouillez, bon sang! Plus vite! On s'active! Eh ben, c'est comme ça que tu te prépares pour la réunion avec tout le gratin de la chaîne? Bah, réponds, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit, non? Du yoga.
Je te conseille d'essayer, c'est très relaxant. Tu sais, par moments, je m'inquiète pour toi, Peter. C'est pas croyable, ça fait 2 heures qu'il parlemente et on n'a pas encore été présenté. Ben, y a rien d'étonnant à ça. J'ai jamais vu autant de costards de ma vie. Vous croyez qu'on leur fait peur? Honnêtement, je comprends qu'on puisse avoir peur de toi, Peter. C'est pas des blagues. J'ai l'impression que... qu'on n'est pas les bienvenus ici. Ça me rappelle les fêtes dans lesquelles j'allais. Les gens faisaient généralement semblant de ne pas me voir. Non, alors comme ça, ils sous-estimaient ton charme. Moi, je crois que tout ça, c'est à cause de Mickey. Ils ont la trouille qu'il fasse son show à la James Cagney. Et bien évidemment, les gens se rueraient vers la sortie. Oh, oh, oh! Tu as parlé un peu trop vite, face de rage. Je vais te faire avaler ta cravate. Hé, hey, t'es dingue, n'y va pas. Mais tu plaisantes, on va enfin se marrer. Hé, hey, je te vois, Peter. Salut, ma beauté. Tu m'as peur de cette danse. Non, non, il faut que j'y aille. Je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps. Je ne sais qu'un invité ici, mais ça n'a pas trop l'air de le réjouir. Problème de digestion. Monsieur Brower, je suis vraiment désolé. Il faut les faire sortir d'ici. Hé, Van, tu veux tirer? Vous devez reconnaître que qu'ils font drôlement impression. Je ne partage pas votre avis. Disparaissez, et tout de suite. On garde le service. Ouais, je l'ai. Attention. Non. Bien essayé. C'est comme si je m'étais pas reposé depuis un mois. Je n'ai jamais travaillé autant à Broadway. Oh, mon pauvre chéri. La série n'est même pas encore diffusée que toutes les minettes veulent lui arracher ses vêtements. Dis donc, toi, tu serais pas un peu jaloux par hasard? Non, c'est juste une question d'observation. Je suis un homme parfaitement comblé, moi. Je me lasserais avec des filles toujours pendues à mon cou. D'autant que c'est pas facile à maîtriser, tout ça. Tiens, il y a à peine 2 jours, il y en a une qui a réussi à rentrer dans ma chambre et je l'ai trouvée à poil sur le lit. Il a fini par la jeter, mais 3 heures plus tard. Je vous avouerai que je suis pas très à l'aise de me retrouver au centre d'un groupe de mecs qui parlent de nous de cette façon. Mais on parlait d'amour et tous les moyens sont bons pour en avoir. On compense, il y a trop de haine dans l'air. Ouais, mais la haine, ça vient, ça va. Et pourtant, quelqu'un nous en veut toujours à mort. Je suis sûre que Christian vous adore. Eh bien là, je vois qu'on aborde gentiment le quart d'heure philosophique. Il doit être branché Kierkegaard et moi plutôt Jung par conviction. Hein, mon grand? Tu sais que t'es lourd, toi, par moment. Vous croyez que l'un de vous regardera la série? J'en sais rien. Elle débute demain. Il est trop tôt pour savoir. Here we come. Walking down the street, we get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. C'est gagné. On a battu Bionic System. On a le meilleur Audimat. Le meilleur Audimat. De la soirée. On a fait la soirée. And we got something to say. Faites tirer ça, d'accord? Écoutez, Van, vous faites du très bon boulot. On dirait que les enfants chantent vraiment et que Mike touche réellement à la guitare. Tant mieux. Hé, les gars, c'était génial. Et même assez drôle. Alors, si je vous disais que la chanson de The Last Train to Clarksville est classée numéro 1 de tous les charts américains. Numéro 1? Non, c'est vrai, numéro 1. Le tube du siècle. Les Monkees ont fait un super carton. On a gagné. Allez, décide-toi, Peter, c'est notre jour de relâche. Je sais, mais pour une fois que j'ai un peu de thunes, je vais offrir un truc bien à ma mère. Je peux t'assurer qu'elle s'en fiche. Elle préférerait un petit coup de fil. Oh, tu connais pas ma mère. Hé, hey, t'as vu ça? Quoi? Ils nous ont reconnus? Oh, tu crois que c'est nous qu'elles appellent? Ah,
Je le savais. Je le pressentais que ça allait arriver. J'avais dit au départ qu'il fallait que chacun joue de son instrument. Tiens, regarde ça. Les Monkey Singers, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça peut vous faire? On est simplement acteurs. C'est vrai, franchement, le playback, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Non, ça se vérifie pour vous, mais je vous rappelle que Peter et moi sommes des musicos avant tout. Et tu vois, moi je ne peux être intègre que lorsqu'il s'agit de Dylan ou des Beatles. Mais on n'est pas les Beatles. Non, vous savez ce qu'on va faire? Nous allons montrer à ces langues de vipères ce que nous avons dans le ventre. On va faire un concert. Hey, je pensais à la même chose. Et je ferai quoi? J'agiterai mon tambourin en me balançant de gauche à droite? Et en souriant. Non, écoute, Davy, on répétera, t'inquiète. Et on profitera de nos plages de repos pour écrire nos chansons et pour s'entraîner à jouer des morceaux. Oh non, tu délires. Ça se fait pas comme ça, un vrai concert. Pour un truc bien pro, il faut s'y prendre des mois à l'avance. Bah, c'est pas le bout du monde. Et du coup, on ne nous verra plus uniquement comme des comédiens, tu comprends? Parce qu'apparemment, les gens ne sont pas prêts à nous faire de cadeaux côté musique. Ils nous ont déjà bien enterrés, Mike. Oh non, non. Non, ça c'est rien. Je ne vois pas ce qu'on peut faire pour remonter la pente. Les gens ne demandent qu'une chose, c'est de les voir jouer en live. Oui, mais un concert en live est moins facile à contrôler qu'un enregistrement en studio, et vous semblez l'oublier. Désolé, on n'a pas le choix. Les Monkeys ont subjugué des millions d'ados qui veulent les voir jouer. Laissons-les faire leur live, seulement le plus loin possible de cette ville. S'ils se plantent, on trouvera un moyen pour attraper le coup. Stop, les gars, stop! Ça va pas du tout. C'est complètement débile. On n'a jamais demandé à un chanteur de groupe de jouer de la batterie. Je veux plus agiter ce tambourin comme un imbécile. Moi, je dis qu'on suit trop le rythme de la basse. Faut la jouer plus en solo. Non, je suis pas d'accord. Au contraire, il faut un son de basse plus prenant parce que Mickey n'est pas à la hauteur. J'ai jamais fait ça de ma vie, ok? Vous n'allez pas remettre ça. Enfin, les mecs, c'est qu'une chanson. Faut qu'on soit sur le plateau à 6 heures. Je me casse, salut. Non, il n'en est pas question. Tu restes là. On doit débarquer à Hawaï d'ici moins de 3 semaines. Si on se plante, on n'aura plus l'occasion de rejouer. Eh bien, c'est parfait pour moi. Je vais pouvoir roupiller. Et en plus, on travaille pour des clopinets. C'est ça, casse-toi aussi, tant qu'à faire. Bah, je vais me gêner. J'ai vraiment rien à perdre. Non, Peter, je t'en prie, va leur parler. T'as essayé, Mike, et tu t'es bien passé de mon avis. Oh, bon sang, mais c'est pas vrai! Tout ce que je veux, c'est nous trouver un super son. Qu'on soit pro, quoi! Je me suis planté. Vous n'êtes tous que des gros nulos. Ah! Jette ses poches sous les yeux, c'est dû au manque de sommeil. Écoutez, je crois que j'ai... J'ai un peu pété les plombs, là, et... Oh, mais non. Tu as rêvé. Je voulais qu'on s'en sorte. Non. Tu voulais qu'on soit parfait. Et qu'on se filme pour faire de la publicité. Ça va, d'accord. Je veux pas qu'on se sépare à cause de ce truc-là. Pas à cause de moi, ce serait trop bête. Je vais faire gaffe, d'accord? Mais il faut pas laisser tomber. Ça dépend uniquement de toi. Bon, c'est promis, je la ramènerai pas. On doit tous travailler ensemble et s'entraider. Être une équipe. Ça va, quoi? Il faut que je me coupe les veines? Si tu nous refais le même coup qu'hier soir, sans problème. Ouais. Ah, ça veut dire qu'il faut répéter et que ça va durer toute la nuit, c'est ça? Oh, t'inquiète pas, de toute façon, t'aurais pas pu fermer l'œil de la nuit. C'est une nouvelle chanson. Si elles nous détestent, elles vont tous nous mettre en lambeaux. Ça, c'est plutôt si elles sont chaudes. Au fait, vous savez où est la sortie? Et nous les attendons tous, c'est leur premier concert en live. Voici les Monkeys! Say you love me, say I.
qu'est-ce que t'en sais? Ils criaient plus fort que la musique. J'ai bien cru qu'ils allaient se mettre sur scène. C'est du bon travail, les gars. Non, c'est pas du bon travail, c'est du super travail. Les gens savent ce qu'on vaut, n'est-ce pas, Mike? J'en reviens pas, c'était géant. Ça me donne envie de jouer de la basse. Et je t'aiderai si tu veux. Sur le prochain album, il y aura de nouveaux instruments. On va travailler dur et montrer qu'on est de vrais pros. Ne vous en faites pas pour le prochain album, il est en voie d'achèvement. Quoi? Ah oui, les enregistrements se déroulent parfaitement bien. D'ailleurs, pour ça, on a utilisé vos voix à partir de la série. Bah, attendez, il était prévu qu'on joue nos propres instruments. Van, on devait s'impliquer un peu plus. Vous n'aviez pas le temps d'enregistrer quoi que ce soit de nouveau. Mais on vient de prouver aux gens qu'on peut tout faire nous-mêmes. Et Mike, ne t'inquiète surtout pas. J'ai des types talentueux qui écrivent pour moi et je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Écoutez, on aimerait rajouter une piste de guitare. Et est-ce que je m'y suis mal pris avec vous jusque-là? Ces chansons vont devenir des tubes, mais monstrueux. Et il est temps de trinquer aux Monkees et à leur futur album numéro 1 de toute l'Amérique. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying when all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. Non mais t'es dingue ou quoi? J'ai failli avoir une attaque. Ouais, je sais. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu marches pas, tu cours. Stop, je m'arrête. Il faut que je dorme. J'ai jamais été aussi crevé. Demande rejetée. Tu es un monkey et il n'est plus question que tu dors. À qui le dis-tu? J'ai deux interviews qui m'attendent encore une fois qu'on aura plié bagage. Il faut boucler l'enregistrement de la dernière chanson et on doit aussi se montrer à la première d'un AV. Et être en pleine forme à 6h le lendemain matin. Je te jure, ça me fatigue rien qu'en y pensant. C'est vrai, je me rends bien compte que plein de gens aimeraient se trouver à notre place. Et aussi dans nos plumards. Qu'est-ce qui va pas, David? J'en sais rien. J'ai tenu à suivre le courant et je me suis perdu en route. On est tous dans ton cas. Tu crois? Bien sûr. Écoute, tu n'arrêtes pas de me chambrer lorsque je m'engage dans de nouvelles voies comme le bouddhisme. L'amour libre, les drogues et le reste. Mais tu vois, je me cherche. J'ai vraiment besoin de me trouver. Moi, je sais que ça me rendrait bien plus confus encore. Et ton cas est peut-être un peu différent, mais tu sens que tu dois bouger. Tu sais,
Il y a un air de révolte actuellement dans l'air, avec, je veux dire, la musique et puis des jeunes comme nous. Moi, je suis comédien, tu comprends. Je suis pas un révolutionnaire. C'est pour ça que tu es paumé. Parce que tu fais ce qu'ils veulent. Tu fais l'acteur au lieu de te révolter. Ouais, j'imagine que qu'un sourire et qu'une bonne tirade ne suffisent plus pour refaire le monde. Écoute, tu veux pas te contenter de faire juste la marionnette. C'est pas facile de larguer les amarres. Non. Mais c'est toujours possible. Allez, faut y retourner. Dépêche. Non, laisse-moi dormir. Plus tard, Davy, on nous attend. D'accord. D'accord. Action! Coupez, j'ai dit! Bon axe, très bon axe, mon grand. Vous regardez du mauvais côté. Oui, c'est pas grave, ça s'arrangera. Au fait, je le veux dans mon prochain film. Veuillez quitter ce plateau. Je n'ai pas dû très bien entendre. Se peut-il qu'il ne sache pas qui vous êtes? Peu importe, croyez-moi, ça ne ferait que l'embarrasser. Pour te dire, ça fera une bonne anecdote pour mon bouquin. Votre quoi? Mon livre! Qui révèle l'autre face de Hollywood. Les grosses magouilles, les coups bas, le sexe et la corruption. Ça doit être très long à écrire, tout ça. Je n'en sais rien, demandez à mon nègre. Quoi? Coupez, tu fais tirer. C'est bon, les gars, c'est dans la boîte. J'ai pas été super bon. T'inquiète hein. Pas pour ça. Dis donc, Mickey, tu trouves ça normal, toi, que des ados comme nous soient obligés de tourner depuis si longtemps à ce rythme-là? Non, pas trop. D'ailleurs, je suis tellement à cran que j'en perds le sommeil. Oui, et on était loin d'imaginer que nos fans réagiraient de cette façon. Oh, merci. Hey, Mike, par ici. Est-ce vrai que vous ne jouez d'aucun instrument? Je vous rappelle qu'on a fait un concert en live à Hawaï devant 3000 personnes. Je veux dire, nous sommes obligés de jouer nous-mêmes si nous ne voulons pas avoir de problème. J'ai entendu dire qu'il y avait un groupe qui jouait pour vous. Vous faites la même chose pour vos disques? Vous avez 2 secondes maximum pour terminer vos photos. Allez, un dernier petit sourire. Oui, merci d'être passé. Au revoir. Allez, au revoir. Vous voyez? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ah, ignore-les, ça vaudra mieux. On s'en fiche de la presse. Ce qui compte, c'est que les ados adorent vos chansons. Mais on pourrait aussi chanter l'annuaire et faire des millions de ventes avec. Où est le problème, alors? Le fait que nos fans nous aiment ne suffit pas. C'est aussi une question de respect. Nous voulons qu'ils fassent la différence. Il ne s'agit que d'une simple série télévisée. Et avec tout ça, j'allais oublier l'essentiel. Mes amis, je pense que vous serez très heureux de prendre connaissance de vos rétributions. On vient de gagner 250 000 dollars, chacun? Et ce n'est qu'un début. Je vous ai déjà dit que vous n'aviez pas à vous en faire pour quoi que ce soit. Je m'occupe de tout ce qui touche à la musique. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et un de ces petits bijoux va bientôt devenir votre prochain single. Tout ce que vous avez à faire, c'est enregistrer la partie vocale et nous, on s'occupe du reste. Quoi, vous avez déjà tout fait? Tout est fin prêt, exact. À l'exception de vos voix, hein, bien sûr. Et bien sûr, on n'a rien à dire. En fait, Denis a le contrôle de la création sur toute la musique. Comme ça, on n'a plus qu'à chanter, alors. Eh, les gars, je pense qu'on a déjà été assez gâtés, et de ce fait, on pourrait peut-être... Écoutez ce que dit Davy. Si vous volez de vos propres ailes, vous allez vous écraser. Je fabrique des succès, c'est mon boulot. Oui, je sais, mais on trouve qu'ils font vraiment bubblegum, vous voyez? Non, c'est surtout merdique, tu veux dire, et ne comptez pas sur moi pour m'engager dans cette voie. Mike, enfin, tu délires. Non, au contraire, on ne se servira pas de moi pour promouvoir des tubes insipides. Très bien, dans ce cas, tu vas me rendre ton chèque, puisque tu trouves ces pratiques totalement détestables. Écoutez-moi bien, soit vous me laissez quartier libre pour nos disques, auquel cas nous avons des choses à dire, soit je gagne le large. Désolé, mais c'était pas prévu au départ, et tu feras ce qu'on te demande pour le disque. Jette donc un œil sur ton contrat. Tu vois ça? Ça aurait pu être ta tronche. Ça va? Ouais, bien sûr. Dis, tu crois que je déconne? Peut-être que ça servira. Alors, c'est pas très malin d'avoir bousillé leur mur. Ah non, c'est eux qui nous ont bousillés. Je vous préviens, quoi qu'il arrive, je me dégonfle pas. Je me casse s'il faut. Et tu ne peux pas. On ira voir Van. On doit tous rester solidaires, ok? Une petite minute. On a eu ce qu'on voulait. Bien plus que ce à quoi on s'attendait au départ. À quoi ça servirait? Eh ben, à simplement faire connaître notre musique. Qu'on réussisse ou qu'on se plante, ce sera au moins notre travail. Hey, Davy, rappelle-toi. Un jour, tu m'as dit que tu étais insatisfait. T'as pas oublié ce concert à Hawaï? C'était pas mal, non? C'était super, tu veux dire. Parce qu'on formait vraiment un groupe. On a été d'enfer. Nous ne sommes plus les horribles créatures de Frankenstein, c'est terminé. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? De la mutinerie?
On largue tous les projets en cours? Mais évidemment, s'ils nous y forcent. Ouais, on sera pas à voir. Tu ne joueras pas d'autre musique que la nôtre. Et quoi qu'on fasse, on le fera comme on l'aura décidé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ok. Ok. À juger. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes cinglé, sans deck. Aïe. Oh mince, désolé, désolé Mike. Non mais je rêve, c'est une blague ou quoi? Vous croyez être suffisamment connu pour changer les règles du jeu? Non, nous ce qu'on veut c'est seulement écoutez, avoir... Écoutez, nous ne voulons pas changer les règles du jeu. On aime ce qu'on fait, hein les gars? Ouais, on a seulement un problème avec la musique. On veut bien chanter tout ce que vous voulez, mais on veut jouer. Donny est le meilleur de sa profession. Vous ne ferez pas mieux que lui. Mais donnez-nous une chance, quoi. Laissez-nous jouer pour le prochain album. Laissez-nous prouver une seule fois que nous sommes des vrais musicos et pas des marioles. Pitié. Très bien. Vous ferez la prochaine tournée comme prévu. J'appelle Donny. Ouais. Hey, c'est moi, Cosmo Kirchner. Génial. Ouais. Ne poussez pas, s'il vous plaît. Oui, on a besoin de renforts. David, réponds. Tout va bien de notre côté, on s'apprête à laisser. C'est la folie, on va y arriver. C'est comme la dernière fois, on va avoir du mal à contrôler la situation. On va se déconcentrer. Hé, hey, attendez! Bye les gars, salut! Bon, quel étage? 7e, allez, c'est parti. Où est la limo? J'en sais rien, on m'a dit qu'on peut nous attendre dans le hall. C'est la mezzanine ici, on s'est planté. Oh non, ça va passer! Bien, vous aurez à fournir des explications. En avant! Qu'est-ce que vous attendez, les Monkees? C'est quatre forces majeures, allez, démarrez! Pour les tripes, on va mourir!
N'y comptez pas. Écoutez, je vais pas vous dire comment faire votre boulot. Au point où on en est, ce n'est même plus la question. Ils ont réussi leur coup. Je vous répète que mon contrat me laisse absolument tous les droits sur l'ensemble de la création musicale. Le studio est ferme là-dessus, n'est-ce pas, Harry? Désolé, on a les mains liées, Danny. Vous peut-être, mais pas moi. Vous m'avez bien fait une promesse, que je sache. Vous ne pouvez pas revenir sur votre décision et me dire ce que je dois produire. Vous avez la face B du prochain disque. Nos héros ont déjà enregistré les pistes instrumentales, eux-mêmes et ceux avant de quitter Londres. C'est dingue, écoutez, je vais pas louper une telle opportunité. Ce n'est pas de votre ressort, d'accord? Ce n'est pas votre série. Vous pensez que vous pouvez faire une série avec une musique à vomir? C'est seulement celle que j'ai créée pour eux qui les a conduits au succès. Arrêtez, je vais pleurer. Chaque semaine, les gamins se mettent devant la série, ils écoutent les chansons et ensuite ils font un tour dans les magasins de disques. Mais moi j'ai un contrat. Oui, et maintenant vous avez un disque. Je suis désolé, Danny, ça vient de plus haut. Cette chanson sera sur le prochain disque. C'est dans un climat d'effervescence que le groupe des Monkees est arrivé ce matin à l'aéroport de Heathrow. Des centaines de fans étaient là pour les accueillir. Et les services de l'ordre ont eu du mal à contenir les mouvements de foule lorsque Laisse le son, tu veux, on connaît la suite. Dans le hall d'arrivée. J'ai toujours eu peur de la foule. Tu es un trésor national maintenant. Eh oh, tu rigoles, c'est impossible de sortir dans ces bourrées de monde à craquer. Attends, tu vas voir, je vais te faire écouter. T'entends? C'est de la folie, je te dis. Ouais, toi aussi, tu me manques. Bah, évidemment qu'il me manque aussi. Je rentre bientôt à la maison. Sans blague? Le scoop! Devinez par qui on est invité? La reine. Non. La princesse Margaret? Non. Les Beatles. Les Beatles font une fête en notre honneur. Mince. Oui. Allô? Ah, mais Phyllis, non. Non, chérie. Oh non, je t'assure, t'as pas raté grand-chose. John, Paul, George, Ringo... Et nous! Et nous! Ouais! On m'a dit que ça s'appelait des STP, c'est bien trippant, tu vois. Hey, Davy, tu connais George? Oui. Ça boum? Ouais. T'en veux un petit? Ça t'explose bien le cerveau. Hein? Tu vois, c'est là qu'est notre problème. Ouais, on voudrait prendre part à ce qui se passe, sans rester dans les coulisses. Pourtant, le monde entier sait qui vous êtes. Bah, on n'arrive pas à se faire prendre au sérieux. Notre travail n'a pas l'air important. Et vous, est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? J'en sais rien. Ouais. Ouais, par moi. Dans le fond, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Évite de te poser trop de questions à ce sujet. Les gens passent leur temps à nous comparer aux Beatles, c'est vrai. On est vraiment différents. Ça sert à rien de se fier à la presse. Et vous, qu'en dites-vous? Nous sommes que des petits singes qui vous imitent. Je pense que vous êtes les meilleurs acteurs comiques que nous ayons eus depuis les Marx Brothers, et je ne rate jamais un de vos épisodes. Ah ouais? C'est sympa. Non, en fait, je voulais dire que parfois le style comique forcé me semble un peu creux, vous voyez? Je commence à en avoir marre de vos coups de sonnette. Alors la prochaine fois... Davy. Salut, pas. Oh, tu es devenue une très belle jeune fille. Très mignon, ce foulard. Tiens, tu me rappelles ta mère comme ça. Tu es carrément une superstar, maintenant. J'aurais beaucoup de mal à t'en parler. On n'arrête pas, c'est infernal. Je te promets, où que l'on soit, les gens débloquent et se mettent à hurler nos noms comme des fous. Tu verras les accoutrements qu'on porte pour passer inaperçus. De toute façon, on n'a pas le choix parce que maintenant, ils s'habillent comme nous. Ça n'a pas l'air d'être un boulot trop déplaisant. Tu peux peut-être me brancher pour que je sois ta doublure. Non, arrête, les fils jetteraient sur toi en moins d'une seconde. Il faut courir vite pour leur échapper. Je pourrais toujours essayer. Alors,
Tout se passe super bien, c'est ça? Ah, ouais, c'est génial. C'est trop génial. Ce n'est pas toi qui cacherais les choses à ton vieux père, quand même. C'est vrai, je t'assure. Quoique, j'ai parfois l'impression que... qu'on me presse comme un citron. Et le plus généralement, c'est quand je suis vanné. C'est le genre de choses qui me rendraient carrément marteau. C'est clair, oui. Ça m'arrive. Dans ce cas, larguer. Ça te permettrait de rentrer chez toi? J'adorerais pouvoir le faire, tu sais. Mais on a les concerts et la série et le nouvel album. J'ai des obligations, c'est tout. Désolé, les seules obligations que nous ayons à tenir sont uniquement envers nous-mêmes. Papa, arrête. Tu sais que ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est l'attrait de la célébrité. La fortune, c'est toujours ce pour quoi j'ai travaillé depuis l'âge de 12 ans. Ça ne veut rien dire du tout si tu n'es pas heureux. Est-ce que tu comprends? Mais je le suis, papa. Alors, si tu l'es tant que ça, pourquoi ça ne se voit pas dans tes yeux? J'en sais rien. Oui, je me sens très seul. Tout le monde me regarde, mais personne ne cherche à me connaître. Il a délibérément agi dans notre dos, en sortant l'album qu'il voulait, le seul dans lequel les Monkees ne jouaient pas. Je n'ai fait qu'appliquer les droits que j'avais sur le contrôle de la création clairement stipulés dans mon contrat. On vous a pourtant demandé de n'utiliser que l'enregistrement du groupe, si je ne me trompe. Ce à quoi je vous ai répondu que je m'étais engagé vis-à-vis de Neil Diamond, à qui j'avais promis le prochain disque, et au cas où vous l'ignorez, je suis un homme de parole. Ce n'était pas à vous de le décider. Ça, c'est ce que vous croyez. Vous avez perdu, mon vieux. Nous retirons ce disque des ventes. Désolé, Denis. Mais vous ne vous occuperez plus des Monkees. En gros, ça veut dire que vous êtes viré. Génial! On va enfin leur montrer ce qu'on a dans le ventre! Ouais! Once upon a once in a while. It's hard to remember to smile, just like all of your toys. Can't you see I don't wanna play, I don't need it. Can't you say you want me to stay, I'll be leaving, just like all of your toys. When all of your playthings someday disappear, girl, will you be happy with nothing but
Alors, ça y est, c'était notre dernière piste. Les gars, c'est notre premier album. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils se vendent maintenant. Ouais, on verra ça. Le plus important, c'est qu'on les fait nous-mêmes. Les enfants, souriez. C'est de la dope, tu vas pas acheter ça. Ils sont numéro un. Ils l'étaient jusqu'à ce que les Beatles les virent vite fait avec Sgt Pepper. C'est pas vrai. Eh si. Lucy in the Sky with Diamonds. Il parle de drogue et voilà. C'est un vrai bijou. Comment on peut faire mieux que ça? C'est impossible. On le sait. Pas avec la série, les concerts, les entretiens et tout le reste. Bon, ben ça y est, d'accord, on n'est pas les meilleurs. C'est si terrible que ça pour vous? Tu vois, c'est ça le problème. Vous vous en fichez du moment que vous avez vos couvertures de magazines et des fillettes qui vous courent ça après. Ça fait partie de notre travail. Il faut parler aux fans pour le comprendre. J'ai pas besoin de leur parler, je veux simplement jouer de la musique. Seulement, il faut que les gens aient envie d'écouter, autrement je m'en balance. Très courageux, vraiment. On a produit un bon album. Non, non, pas si bon que ça. Écoutez, en fait, j'ai bien réfléchi, je vais jouer de mon côté. Ouais, j'aimerais me produire en solo, sans le groupe. Et tu crois pas que ça peut marcher, tous les quatre? Non. Et ça t'étonne? Je dois y aller. Ça me fait penser qu'il faut que j'y aille aussi, Philly, ce matin. Bon, bah, à plus. Je peux t'accompagner? Bien sûr. Salut, Peter. Salut. Hey, Peter, c'est pas la peine de le prendre comme ça, ok? C'est moins grave que si on se séparait. On se retrouve sur le plateau. Ouais. Drôlement excitant, j'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Jamais j'aurais imaginé un jour être nommé aux Emmys. Ça a quand même du bon de pas toucher aux instruments. Ne vous laissez pas impressionner par ces foutaises. C'est un piège, une grosse machine galvanisante à laquelle on tombe accro sans le vouloir. On est en plein dedans. Détends-toi, enfin, laisse-toi aller. Ouais, c'est une belle nuit pour nous, alors tu vas pas la bousiller? Non, pas du tout, il dit seulement qu'il faut garder la tête froide, c'est que la télévision. Et la musique, en revanche, est beaucoup plus importante, c'est ça? Eh bien, en tout cas, c'est un peu plus intéressant. Je crois que c'est à nous, faites moins de bruit. C'est le cas de cette irrésistible quatuor comique, musicien de ce C'est eux, les comiques querelles. Ils forment une famille, non? T'as déjà vu une famille qui ne se querelle jamais, toi? Les nominés dans la catégorie série comique sont le Andy Griffith Show, Max la Menace, Stalag 13, Hogan's Heroes et les Monkees. La série gagnante est... les Monkees. Souriez, s'il vous plaît. Oui, merci, merci. Paris, un sourire. À l'aide! À l'aide! Oh, belle princesse, mon cœur pour vous ne cesse de battre, et pour franchir la boue, je vous offre mon bras. Quoi? Pour franchir la boue, vous me prêtez vos bras? Coupez, c'était très drôle, Mike. Peter, retourne à ta place, on reprend. Action! Hip! 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 Coupez, on l'a refait. Désolé, les gars. La princesse. Hip! Hip! Oh, belle princesse, mon cœur pour vous ne cesse de battre. Et pour franchir la boue, puis-je vous offrir mes bras? Quoi? Pour franchir la boue, me prêtez vos bras? Ha ha! Arrête! Vous n'êtes rien qu'un vulgaire paysan, un roturier bougeux. Vous ne toucherez pas vos mains qui puent l'huile de tracteur. Je suis très honoré. Non, vous le saurez lorsque j'aurai foulé votre minable épine dorsale à terre, paysan. Mon corps est à vous. À terre! J'ai aperçu un écu juste en face. Tu vas la fermer ou je t'aplatis comme une crêpe? Ce sera difficile, j'ai les bosses partout. Ouah, quel adorable petit poussin, non? Hé, Harold! Je te préviens, t'as intérêt à sortir ce carrosse de la peau! T'as 10 minutes ou je me marie plus avec toi! Ouf.
C'est vrai, cette société est en train de bouger. Les cadenas moraux sont en train de sauter. Et un souffle ouais, de ça révolte... ça va, Peter, on sait. Dis-moi plutôt ce que tu penses de ce truc-là. Où t'as trouvé ça? C'est Hendrix, non? Ouais, c'est une démo, mais qui me l'a prêté? Oh, écoute ça, c'est trop bon! C'est vachement hard. Oh, j'espère qu'il dira oui. Et justement, il vient de le faire. Tu veux dire... Hein? Tu te fiches de moi? Ce fou de Jimi Hendrix démarre la tournée avec J'arrive nous. Toujours pas à le croire. Je veux dire, ce mec, c'est le futur. Et il va jouer sur scène avec nous. Tu te rends compte? Nous qui voulions nous faire respecter, c'est une chance totalement inouïe. Ouais. C'est beau. Écoute ça. Waouh. Bon sang, j'en reviens toujours pas qu'Hendrix fasse notre première partie. Je vous promets que les gens vont nous voir de façon très différente grâce à ce concert. Oh, écoutez ce son, il vient d'une autre planète! Et nous y voilà! Pourquoi ça m'étonne pas, hein? Mais qu'est-ce que tu espérais? Ils sont venus pour nous et certainement pas pour écouter un concert aux consonances psychédéliques. Vous n'avez pas saisi encore. Nous ne sommes que des clowns et c'est tout ce qu'ils attendent de nous. Oh, c'est pas vrai. On est désolé, Jimmy. Désolé. Jimmy, ouais, attends. Désolé, désolé. Je suis très mal pour lui. On devrait tous faire pareil. Chez Mike, on ne peut pas habiter là. C'est pas qu'on ne peut pas, bébé, c'est qu'on y est déjà, tu vois. Mais c'est un château. Ouais, c'en est un, et alors? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit à nous, hein? Et tu vas voir, on aura des bagnoles et pas n'importe lesquelles. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse de tout ça, chérie? C'est beaucoup bon, trop. Bon, je t'explique comment je vois les choses. Tout ce fric qu'on a gagné avec les albums, c'est de l'argent pas net, d'accord? Et comme on n'y peut rien, je me suis dit qu'il fallait qu'on le dépense. C'est ridicule. Oh, je t'en prie, ça suffit. Mais c'est vous qui chantez sur ces albums. C'est vous qui vous produisez en spectacle, c'est toi aussi. Ça n'a rien à voir du tout. Comment puis-je le savoir? On n'en parle jamais. Je me fiche de cette baraque, c'est toi que je veux. Bon, ça suffit, arrête. Non, désolée, parce qu'on ne te voit plus depuis des semaines. Quand tu ne répètes pas pour un concert ou même pour un spectacle, tu vas t'enfermer dans un studio d'enregistrement. J'essaie d'accomplir quelque chose d'important, que je puisse tenir la route. Que fais-tu de ton fils? Que fais-tu de moi? Est-ce qu'on ne tient pas suffisamment la route pour toi? Oh, là, j'en ai marre. J'ai pas le temps d'écouter ces niaiseries. J'ai suffisamment de problèmes pour avoir à écouter ça en plus. Je m'inquiète pour toi, tu comprends? Tu peux le comprendre? Eh bien, c'est pas la peine, tu vois, je suis plus un petit enfant. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Je comprends rien de ce que je chante. Tu veux qu'on la relise? Non, je veux surtout rentrer chez moi. Écoute, Davy, essaie de te recentrer, d'accord? Et quand tu te non, sentiras... Non, ne commence pas avec tes discours à la noix où tu répètes sans cesse « Faites l'amour et pas la guerre, lâche-moi avec tes inepties. On se ficherait de toi en Angleterre. » Mais vas-y, au lieu de nous prendre la tête. Je te vois bien faire ta carrière de petit jockey exactement comme ton papa l'espérait. Et moi, je passerai pas ma vie à courir après une doctrine mystique ou je ne sais quoi avec des fleurs de lotus dans les oreilles. Enchaîne sur la chanson. C'est pas la bonne clé pour accéder à ma voix. Je la chanterai dans ce cas. Toi, t'es pas sérieux, regarde-toi. D'ailleurs, le fait qu'on t'ait engagé en tant que chanteur me dépasse totalement. Je voulais... Je suis désolé. Très bon exemple de paix et de compréhension, ça. Tout se casse la figure. Je dois recoller les morceaux, il faut que je rattrape le coup. Comment vous faire comprendre que c'est impossible? C'est toujours la même rengaine depuis des années. Au départ, on y croit dur comme fer, et ensuite, ça devient n'importe quoi. Van, vous avez créé ce monstre. Vous en êtes responsable. James et Harry, vous avez le feu vert pour établir les nouveaux contrats. Je les veux sur mon bureau avant jeudi. Oh, I could hide beneath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm
would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. And our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Une ordonnance pour mes points de suture. Je m'en veux beaucoup, tu sais. Ouais, heureusement que t'as pas touché à mon bon profil. Il vaut des millions à l'heure qu'il est. Salut les mecs, j'aimerais vous parler une minute. Vous connaissez Jack, n'est-ce pas? Salut. Ah ouais, c'est vrai, c'est... Nichols, c'est ça? Ça, Jack Nichols. Ouais, ouais, je m'en souviens. J'ai pas de mémoire. Y a pas de problème, Ringo. Bon, mauvaise nouvelle. La chaîne refuse de changer quoi que ce soit ce qui était prévu. Soit on tourne la série sans faire d'histoire, soit salut. Mais on pourrait faire beaucoup mieux. On pensait à une émission avec des parodies féroces où des vedettes viendraient chanter, ce serait génial. Non, pas la peine d'insister, je connais la réponse. On entame la troisième saison, comme d'habitude, où on vit. Et on pourrait aussi bien leur répondre, achetez la troisième saison et avec les bénéfs, payez-vous des costards moins craignos. Toujours aussi diplomate, Mike. On a du mal à se renouveler. C'est vrai, on utilise des scénarios dont on voulait se débarrasser. Je ne peux rien faire. Il faut être réaliste, la série ne nous appartient plus. Et je crois qu'on devrait partir. Mais j'ai une idée. On va tourner un film. Ouais. Un film sur les Monkees? Vous pensez que ça pourrait marcher? Les Beatles sont bien réussis. Ouais, mais je ne sais pas si les blagues qu'il y avait dans la série fonctionnent pour autant sur grand écran. Tu as raison. Mais Jack et moi, nous avons un tas d'idées. Il va m'aider à tout mettre par écrit. Moi, ce que je propose, c'est de faire un film, voyez, et de démolir le mythe des Monkees, en révélant les ficelles de votre triomphe. C'est assez séduisant, en revanche, vous devrez rester honnête. Et pertinent, une histoire qui soit totalement actuelle. Vous êtes preneur ou pas, alors? Ah, oh, mais ouais. Tu parles, mais nous aimerions aussi participer et pouvoir donner notre avis sur un tas de choses. Le film ne sera qu'une réussite totale à la seule condition que vous soyez tous impliqués. Ce film pourrait nous apporter un tout nouveau public. Plus ouvert question musique aussi. C'est bon. Très bon, oui, plus diversifié. Ça nous changera des filles folles alliées. Et là, il explose, en plein milieu du désert. Le tank a expédié la machine à café à l'autre bout du monde. Là, je vous préviens, je ferai pas le cadavre. Je veux plus faire le cadavre. Ensuite, ils nous mettent en pièces. C'est la fin du film. Non, c'est pas la fin du film, j'ai trouvé une autre chute. Ça enregistre? Ouais. Je voudrais que ce film soit d'une qualité remarquable. Qu'il ait au moins 50 styles différents. Mais je veux un truc qui tienne le coup. Quelque chose qui reste
qui passe à la postérité. Oui, comme un gratte-ciel que les gens regarderaient des années après. Un bon film, c'est comme un gratte-ciel. Quoi? Des images de guerre. Pourquoi ne pas insérer des séquences d'actualité où les gens se font tuer? Ouais, et on pourrait enregistrer un nouvel album. Je veux dire, avec un son qui vrille la moelle. Ouais, c'est ça, ça le fait. Et sérieux, vous ne trouvez pas qu'on s'embarque trop loin? Des pellicules. Vous pourriez être des pellicules récurrentes dans les cheveux de quelqu'un. Allez, un petit saut. Maintenant, on y va. Un petit saut. Allez, on plonge. On est des pellicules et on y met du cœur. Allez. On est récurrente et fière de l'être. Voilà, et coupé. Génial. Faites tirer ça. Ça va? Super. Génial. Alors, les enfants, en plein tournage, ça va faire de vous de grandes vedettes. Oh, que se passe-t-il? On a l'air constipés. Eh bien, je voulais être le premier à vous dire que votre implacable obstination venait de porter ses fruits. La NBC a supprimé la série des Monkees, et je viens d'être mis à la porte. Vous devriez être satisfait. Vous plaisantez, on est désolé pour vous. Je peux vous garantir que nous sommes loin de nous réjouir de votre situation. Ça me fait une belle jambe. Vous n'avez pas idée de l'occasion en or que vous venez de laisser passer. Il arrive un moment où on doit bouger si on veut évoluer, Harry. Oui. J'aimerais savoir combien de disques vous allez vendre une fois que vous ne passerez plus à la télévision. On aura une autre audience. Avec ça? Cet idiot de film conçu sous l'emprise de la drogue? N'empêche que c'est le meilleur projet qu'on ait jamais eu. Vous en êtes resté à l'image de gentils petits adolescents bien dociles, vous n'avez rien compris. Non mais écoutez-vous parler, vous ne seriez rien sans nous à l'heure qu'il est. On vous a ramassé dans la rue et fait grimper les marches du succès. Non, et toi, tu ne vaux pas mieux qu'eux. Tu leur as farci la tête de fadaise irréalisable. Allez-y rêver tant que vous voudrez, mais la réalité c'est que vous n'avez pas de série. Les ventes des disques ont baissé de moitié par rapport à l'année dernière. Et si votre film se casse la figure, ce qui à mon avis est le plus probable, vous n'aurez rien. Je vous souhaite bonne chance. C'est l'un des groupes les moins talentueux que notre époque ait pu connaître. La réputation surfaite sur laquelle ils vivent depuis des années n'a fait qu'amplifier l'état de malaise qu'ils sont en train de traverser et dont ils nous font part à travers un film gauche et insipide actuellement décrié par toute la presse. Un résultat médiocre malgré un tournage long et laborieux et dont la prétention disproportionnée ferait fuir jusqu'au plus inconditionnel de leurs fans. Eh ben on est gâtés. Oh, je déteste toutes ces revues féminines. Elles nous ont encensés. Arrêtez, on a perdu la série. On a fait un beat complet. Bon, on a toujours les tournées, mais je crois qu'on peut carrément dire que la Monkey Mania fait partie du passé maintenant. Mais au moins, on aura réussi à réaliser ce que nous voulions. On nous a laissé nous exprimer. Je suis persuadé qu'un jour, on reparlera de ce film. Ouais, nos petits-enfants, tu veux dire? Je pensais vraiment que Ed allait jouer en notre faveur, vous comprenez? Parce qu'on a montré un truc super fort aux gens. Sans parler de la musique. La chaîne voudrait que nous fassions une spéciale le mois prochain. Et Van semble avoir de nouvelles idées. Ouais, ça va, laisse tomber. Il n'en a plus rien à faire des Monkees. J'ai entendu qu'ils produisaient un nouveau film. Ouais, Easy Rider avec Jack. Ouais, on se débrouillera sans lui alors. C'est pas ce que vous désiriez? Je pense qu'on devra abandonner. J'avoue que je sais plus trop ce que les Monkees représentent maintenant. Je dois y aller. Ça fait déjà 2 ans, je crois, qu'on a mis les pieds ici pour la première fois. Ça me fiche le bourdon. Ça t'a plu au moins?
tu préfères plutôt tes cubes? Ouais, d'accord, c'est le cube. C'est ce qu'on aurait dû mettre sur notre dernier album. Tu sais, bonhomme, il m'arrive très souvent de me demander ce que tu deviendras plus tard. Je me rappelle, quand j'étais à l'école, j'étais assez solitaire et parfois, je posais une chaise au milieu de l'estrade et je m'asseyais tranquillement et j'écarquillais les yeux tout autour de la classe. Et je me disais en moi-même, sois patient, tu verras, ton jour arrivera. Et au lieu d'être comblé, et au lieu de me dire, waouh, je l'ai fait, j'arrête pas d'entendre ces paroles. Sois patient et tu y arriveras. Oui, j'écoute. C'est pas vrai. Où ça? Hey Mike. Comment est-ce que c'est arrivé? Dis-moi. Sa voiture a percuté un camion dans un virage. Il devrait pouvoir s'en sortir. Et Christian? Oh, il était avec moi. Tu sais, Davy, c'est terrible. Qu'est-ce que j'aurais fait si elle y était restée? Pendant qu'il luttait contre la mort, je me demandais si je préférais pas la musique à nous deux. À mon avis, vous avez une sacrée veine. On n'a pas tous droit à une seconde chance. Excusez-moi, je suis vraiment navrée de vous interrompre, mais vous êtes bien David Jones, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Ça ne se fait pas, mais je me le permets, car ma fille est une de vos fans et elle... C'est bon, je vais la voir. À tout de suite. J'aime beaucoup vos chansons. C'est vrai? Mais dis-moi, laquelle est-ce que tu préfères? Monsieur, je les aime toutes. Salut, mon grand. Je vous connais. Vous êtes aussi un monkey, je vous ai vu à la télé. Ouais, c'est exact, je suis un monkey. Tu veux que je te signe un autographe? Ah oui, celle-là, elle est pas mal. Je vous jure, vous auriez vu le regard de tous ces petits gamins, c'était magique. Vous étiez les monkeys magiques. Non, j'essaie avant tout de les divertir. Et c'est pas si difficile finalement d'apporter un peu de joie aux gens quand on y pense. Et pourquoi avoir tenu à me le cacher pendant 2 ans? Tu n'écoutais jamais rien. Tu parles entre les convocations de tournage, les entretiens, les enregistrements de notre série et les concerts incessants. On peut vraiment pas lui en vouloir. Regardez, c'est les monkeys. Oh, je crois qu'on a de la compagnie. Je ne sais jamais pourquoi elles réagissent de cette façon. Peu importe, et profites-en, ça ne durera pas. On peut avoir un autographe et une petite chanson aussi. Chanter, mais on n'a rien pour jouer. C'est bon, d'accord. On va chanter. Mais à une condition. Vous participez. Ok. Ouais. Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Thank you.